faites partie des femmes qui manifestent à Fria ici depuis quelques semaines maintenant. Dites-nous réellement quelles sont vos revendications. Nous revendiquons, en fait, depuis le mois de mars, depuis le 7 mars, nous sommes en train de revendiquer pour beaucoup de choses. Sonia Lay, ce que je vois en elle, elle ne veut pas la paix à Fria. Dedans, elle a divisé Fria. Pour ceux qui veulent, pour la jeunesse, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont diplômés, qui ne travaillent pas. Et quand le président est venu à Fria, il nous a promis qu'à l'ouverture de l'usine, la jeunesse de Fria, la priorité c'était pour les citoyens de Fria. Quand l'usine a demandé à la préfecture d'envoyer la jeunesse pour l'embauche, Nyalé est parti prendre des gens à Conakry pour les embaucher à l'usine, on le sait. Et pour le cas de MIFA, les femmes de Fria n'ont jamais bénéficié de MIFA. De deux, le frigo qui est venu à Fria pour les femmes, elle a mis ça en location à un certain temps. Quel temps? Comment temps? Il y a un monsieur, je ne connais pas le nom, mais c'est un certain temps. C'est un entrepreneur ou... Non, non, non. C'est un particulier. C'est un particulier de Fria, il est de Fria aussi. Quand le gouverneur est venu, on est parti appeler monsieur Tal. Il est venu, il a confirmé. Il a confirmé devant le gouverneur de Bouquet que c'était en location. Donc, il y a ça aussi. Pour les travailleurs, quand tu meurs aujourd'hui, là, quand un travailleur meurt aujourd'hui, s'il y a la paie demain, toi, tu n'as pas de salaire parce que tu n'es plus de la vie. Donc, c'est pour tout ça, me demande du coup. Elle a divisé Fria. Actuellement, là où je vous parle, les sous-sous sont de côté, les mannequins sont de côté. Et nous, on n'a jamais connu ça à Fria. Donc, c'est pour tout ça, nous revendiquons. C'est pour que nous demandons le départ immédiat du préfet, pour avoir la paix à Fria. Pourquoi nous avons revendiqué? Donc, c'est en quelque sorte vos reproches. Oui. Ok. Et on nous fait comprendre qu'hier, il y a eu une sorte de négociation, que maintenant, vous êtes d'accord et vous arrêtez vos manifestations, est-ce vrai? Il n'y a pas eu de négociation. En fait, il y a une délégation qui est venue de Conakry, certains de Bouquet aussi. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a juste une sensibilisation. Oui. Il y a le directeur des impôts qui est venu, Abakar Marissa Kamara, qui est un fils natif de Fria. Il ne peut pas rester à Conakry. Entendre qu'on se tue à Fria, qu'on nous frappe à Fria, qu'il reste tranquille. Il est venu nous sensibiliser, comme citoyen de Fria. Il n'y a pas eu de négociation. Il nous a promis qu'il allait partir, faire quelque chose. On est rentré. Le gouverneur est venu ici. Il nous a tous écoutés. Il nous a promis de faire quelque chose. Il est reparti. Il n'y a pas eu de réponse jusqu'à présent. Et nous attendons. Comme il y a eu des promesses que le président a déjà le dossier à main, nous écoutons le président. C'est à lui de voir si c'est Nyalé ou si c'est la population de Fria. Et tant que Nyalé est préfet à Fria, il n'y aura pas la paix à Fria. Et il n'y aura pas de député à Fria. On ne va même pas parler de député à Fria tant que Nyalé est là. Hier, il n'y a pas eu de cours à l'école. Tous les élèves sont sortis dans la rue. On est soutenus par la jeunesse, même par nos maris, par tout le monde. Parce que tout le monde est fatigué de Nyalé. Tout le monde, elle est méchante. Ce n'est pas une femme. Elle est méchante. Tout le monde demande le départ de Nyalé. Même les fous qui sont dans la rue. Pourquoi nous avons demandé? On est fatigué d'elle. Elle n'a rien fait à Fria. Rien. Même la peinture de là où elle habite, elle n'a pas fait. Elle n'a rien fait. Elle dit qu'elle ne va pas quitter Fria. Que tant que Burama Kwande est ministre de la décentralisation, qu'elle ne va pas quitter. Et nous, on n'est pas lié à Burama Kwande. On ne connaît même pas qui est Burama Kwande. Ok. Maintenant, après cette sorte de négociation, que comptez-vous faire à partir de maintenant là? Là où nous sommes, nous attendons. Comme on nous a promis d'attendre, qu'on nous a dit que le dossier est en main, que c'est en cours.
le président même, il a en main. Il sait que ça ne va pas à Fria. Le président est au courant. Tout le monde est au courant. Donc nous écoutons, on attend le président. On ne peut pas sauter sur l'autorité. Et les religieux de Fria, on ne peut pas sauter sur eux. C'est pourquoi nous sommes rentrés. C'est pas parce qu'on a peur des militaires ou de quoi. L'autre fois, on est allé envoyer 9 pick-up de CMIS et gendarmerie ici. Ils ont frappé les femmes, ils ont volé nos téléphones, les motos. Ils sont rentrés chez nous. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait à Fria ici. Ils ont même tiré sur un enfant qui quittait l'école. Donc on n'a pas peur de l'armée. Les militaires et autres là, c'est les femmes qui les ont mis au monde. Donc, dites au président, comme vous êtes journaliste, si vous allez dire à la radio ou à la télé ou écrire, dites au professeur Alpha Condé d'enlever Nyalé en Fria, de prendre Nyalé ou de prendre la population de Fria. C'est à lui de voir. Ok. Et maintenant, vous attendez le président jusqu'à quand? Combien de temps vous lui donnez? On n'a pas beaucoup de temps à lui donner. Juste une semaine ou deux semaines. Si rien n'est fait, vous allez... Si rien n'est fait, vous serez encore dans la rue. Ok. Il y a certains qui vous accusent d'être manipulés par Macky Sall. Qu'est-ce que vous répondez? Que c'est Macky Sall qui soutient le mouvement, lui qui manipule les femmes. Mon cher frère, Macky Sall n'a rien à voir dans ce problème. Macky Sall n'a rien... Macky Sall, il est de Sombori. Il est de Sombori, c'est pas un étranger comme le préfet. Macky Sall n'a rien à voir dans ce problème. Macky Sall, c'est un bon fils de Fria, c'est un bon fils de Sombori. Si Macky Sall sort pour venir nous sensibiliser, étant un frère, un fils, on doit l'écouter. Ok, parce qu'il y a certains qui disent ah, les relations entre Macky Sall et Nyalen sont tellement compliquées, c'est pour cela qu'il m'a dit. Si les relations entre Nyalen et Macky Sall sont compliquées ou quoi que ce soit, nous on n'a rien à voir dans ça. On n'a rien à voir dans l'histoire de Macky Sall et de la dame là. Ok, maintenant vous demandez quoi maintenant à partir de notre micro, qu'est-ce que vous demandez aux autorités guinéennes, surtout au président de la République? Ce que nous demandons aux autorités guinéennes et à Abraham Condé qui est son frère, je ne sais pas quoi, nous demandons le départ du préfet. Seulement le départ du préfet. S'il y a problème entre elle et Macky Sall, je ne sais pas quoi, ça ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. Nous, Macky Sall ne peut pas nous manipuler de sortir dans la rue, s'arrêter devant les fusils et cailloux et autres. Même si tu es fou, quelqu'un ne va pas te dire sors dans la rue, qu'on te tue ou qu'on te frappe. Est-ce que c'est Macky Sall qu'on a frappé? C'est Macky Sall qu'on a tiré? Hein? On est bête ou quoi pour sortir dans la rue, être manipulé par Macky Sall? Macky Sall n'a rien à voir. Si elle veut accuser Macky Sall, elle n'a qu'à accuser Macky Sall. Sinon, je vous jure, sur la tête de mes deux enfants, Macky Sall n'a rien à voir dans tout ça. Seulement un bon fils. C'est un bon fils de Sombori. Et même si c'était toi, si on frappe ta soeur ou ta maman, tu es à Conakry, tu vas te déplacer pour venir faire quelque chose. Macky Sall, pourquoi elle n'a pas accusé Macky Sall? Macky Sall est venu nous sensibiliser le premier jour. C'est lui seulement qui a pu nous faire entrer. Le jour où les militaires ont commencé à nous frapper, à voler chez nous ici, c'est Macky Sall qui a quitté Conakry. À 10h, il est rentré ici. Il nous a ça. Pourquoi il n'a pas accusé Macky Traoré? Hein? Dites à Nyalé de fermer sa bouche là, de laisser Macky Sall vivre. Si nous nous sommes à Fria et si nous ne sommes pas là pour Macky Sall, moi je suis à Fria, ça fait 20 ans aujourd'hui. Sinon, je suis de maman. Je suis à Fria, ça fait 20 ans. Macky Sall n'a rien à voir. Si elle n'a rien à dire là, elle n'a qu'à fermer sa bouche là. Macky Sall n'a rien à voir.